reste un très bon gars. 100% autoproduction pour un son pur sans l'empire sans l'empereur. Ça m'en reste un très bon gars. 100% autoproduction pour un son pur sans l'empire sans l'empereur. Cigare au bord des lèvres, un verre de whisky sur le bureau. La secrétaire dessous, je repense au dernier blaireau que j'ai entubé en lui disant qu'il tenait un tube. 5% de la recette pour lui, 30% pour la campagne de pub, 10% pour la SACEM, le reste pour ma SACEM. Je suis un producteur de rap, ne va pas croire que ça me gêne. Au contraire, les contrats s'enfilent comme les perles. J'écoute les nouvelles merdes, les démos des groupes qui rêvent de percer. Y'a quelques bons petits trucs, mais c'est pas avec ça qu'on touchera dessus. Pas mal du déçu, mais ils montent leurs fesses ou se font jeter ipso facto du tacto. Je suis producteur. Pour charmer les ventes, je veux des MC séducteurs. Tiens, un mec vient d'entrer, une cassette dans la main. C'est peut-être le type de l'été prochain. Qu'est-ce que tu veux, gamin? Je veux une piscine dans le studio, sinon je chante pas. Du champagne et des girls en maillot de bain. Je plaisante pas le champagne pour me faire la voix. Et les girls, pourquoi? Enfin, tu vois, présente-moi des tas de stars. Je veux un pas de garage en limousine, un boulevard. À mon oncle, mais son soit sur toutes les radios. Des fans avec ma face sur leur maillot. Qu'elles arrachent, crient, pleurent, se cassent les cordes vocales quand je m'arrache. De scène après les 18 rappels. Voilà, je te laisse ma cassette, mon numéro. Si tu veux, tu me rappelles. Tu rêves de bons comme toi, j'en ai à l'appel. 100% autoproduction pour un son pur sans l'empire sans l'empereur. 100% autoproduction pour un son pur sans l'empire sans l'empereur. J'écoute tout de même sa démo en sifflant mon verre de whisky. Ah, ça me casse les oreilles, je comprends pas ce qu'il me dit. Il parle trop vite, je peux pas lâcher ça sur la FM. Allez, ça me fera une cassette vierge de plus pour ma chaîne. Ça manque un peu de funky, de clap de claquement de doigts, de basse étudio pour faire bouger les filles en deux bois. Trois lettres qui chantent mal pour faire les cœurs. Plus un gonce qui parle dessus en se faisant appeler rappeur. Les jeunes, c'est un bon filon, une matière malléable. C'est assez agréable de voir des esprits aussi influençables. Mais ce qui m'énerve, ce sont ceux qui ont trouvé l'antidote. Ne veulent pas être classés au top et pour éviter le flop. Opte pour l'autoproduction, un son pas sorti d'une boîte à hit. Overdose de morceaux vite fait, vite vendu. Les mecs descendus se vendent plus que les mecs vivant d'huile. De sortir un truc 100% autoproduction, c'est dent pour dent 100%. Conscient que les majors s'en mettent plein les poches, elles roulent sur leurs joues. Les alchimistes perdent le plomb au frais pour quelques temps encore. Représente le hip-hop de l'Ouest en plein essor. 100% autoproduction pour un son pur sans l'empire sans l'empereur. 100% autoproduction pour un son pur sans l'empire sans l'empereur. 100% autoproduction pour un son pur sans l'empire sans l'empereur. 100% autoproduction pour un son pur sans l'empire sans l'empereur.